Bon, salut les filles, aujourd'hui je vais vous présenter ma routine soins visage et cheveux pour le soir. Donc je vais vous présenter les produits un par un et puis vous expliquer un peu ce que je fais. Donc déjà le soir je me mets un petit bandeau dans la tête. Suis un peu fatiguée. Ah, nickel. Alors du coup ensuite je me démaquille. Donc il faut mettre de l'eau sur le clean face, ça s'appelle, c'est une nouveauté. Il faut mettre de l'eau dessus bien sûr hein, puisque sinon ça ne peut pas le ça ne peut pas démaquiller. Bon alors là j'ai du mascara aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas très très en forme. Donc il faut bien insister sur les yeux, surtout quand il faut les saurer aussi hein, le clean face parce que sinon on a beaucoup d'eau sur la tête. Donc bien insister au niveau des yeux. Voilà, comme ça le mascara il part bien. Voilà, un petit peu encore sur l'œil gauche. Ah, allez, on frotte sur l'œil gauche. Sur l'œil, hein. Ça, sur le nez. Voilà. Voilà. Là. Donc, une fois qu'on est bien démaquillé, j'en ai un petit peu dans le nez, mais c'est pas grave. On va prendre un petit coton. Et du coup, l'eau micellaire qu'on va présenter à la caméra. Donc l'eau micellaire de Centifolia. Donc c'est pour enlever le surplus de maquillage et désincruster un peu la peau de toutes les impuretés de la journée. Donc on en met un petit peu sur son petit coton. Donc après il y en a qui peuvent prendre je trouve plus le mot. Je ne sais plus. Oh Donc on frotte bien sur tout le visage. Donc surtout on met pas trop dans les cheveux. Ouais, c'est bon là, voilà, c'est nickel. Ce que je cherchais c'était l'éponge Conjac en fait avec de la lotion spéciale pour votre type de peau. Une fois qu'on a fait ça, on prend le petit produit Avril contour des yeux. Voilà. Donc c'est une petite crème pour spéciale contour des yeux pour les rides, les ridules, hydrater le contour des yeux qui est bien souvent beaucoup plus sensible que la peau du visage. Donc mes tubes sont un petit peu vides. C'est bon, je pense que j'en ai pris assez. Et on en met autour des yeux. Donc sur la paupière et en dessous. Donc je vais fermer les yeux hein, parce que voilà. Bien sûr, on n'en met pas trop. Et on tapote légèrement avec le bout de ses doigts. Ah, c'est nickel. Une fois que tout est bien imprégné dans la peau, bien sûr, c'était juste un soin contour des yeux, on ne l'oublie pas. On met la petite crème de nuit à l'endroit. Ok. Et on en met sur toute la peau du visage. Bien. Oh la vache, c'est beau! Oh non! Oh. Voilà. Et donc on en met sur tout le visage, le cou aussi. Maintenant, nickel. Et bien sûr, voilà, on remonte bien pour bien imprégner la crème. On remonte et le front, on étale aussi. Une fois que tout ça est fait, j'en ai un peu sur la paupière, je crois. Ok, c'est pas grave. On enlève le serre-tête.
On enlève la petite pince dans les cheveux. Voilà. Alors moi, c'est une Tangle Teasers qui n'arrache pas les cheveux. Très bien pour les enfants aussi. D'ailleurs, c'est celle de mes filles que j'ai prise. Oh mon Dieu. Oh. Là, ça fait une semaine que j'ai pas fait de shampoing. C'est un petit peu gras. Et une fois que c'est bien démêlé, je pense que c'est bon, hein. Non, ça m'a l'air pas trop mal. On montre à la caméra. Donc c'est du Cristalli Vegetali, c'est pour hydrater les cheveux. Et voilà, donc ça fait briller, ça lisse la fibre. C'est génial, je ne pourrais plus m'en passer, j'en utilise matin et soir. Une pompe, c'est bon, c'est bon. Voilà, ça suffit. Et on met que sur les longueurs. Nickel. Ensuite, je m'attache les cheveux pour la nuit et je peux aller me coucher tranquillement. Voilà, donc j'attache. C'est très bien. Non, mais je n'ai pas... J'ai oublié mon élastique. Donc, c'est pas grave. Et je peux aller me coucher comme ça, du coup. Je vous fais tous un gros bisou et à bientôt. Allez, allez, allez. Arrête tes conneries, putain. Non, mais là, et ma guitare. Bon, je vais vous jouer un morceau aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo? Bah ça, bah, tu fais ton petit soin du soir. Donc, j'ai plein de produits dans le nez en plus. Oh mon Dieu.